Et salut à tous les amis, c'est Sasa, j'espère que vous allez bien et ça me fait super plaisir de vous retrouver puisque ça faisait un petit 2 semaines que j'avais pas eu le temps de faire de vidéo, j'étais très très occupé et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit deck bien sympa qui fonctionne extrêmement bien en ladder. Il s'agit du deck Demozo double géant. Pourquoi double géant? Mais tout simplement parce qu'on joue deux géants des mers et on va décortiquer le deck ensemble et vous expliquer, enfin plutôt je vais vous expliquer la manière de le jouer. Donc c'est un Demozo, évidemment c'est très aggro, mais on va regarder ensemble de quoi est composé le deck. C'est parti, 2 puissances accablantes, un diablotin flammes, on en met un seul ici. Pourquoi? Parce que en late game c'est assez des fois compliqué de pouvoir en poser deux puisqu'on n'a pas envie de perdre beaucoup de vie. Et en plus de ça, ici dans cette version on joue le Baran Barbe de bronze, donc évidemment si vous le posez et que vous jouez votre diablotin des flammes, il vous infligera plus 3 points de dégâts mais 6 points de dégâts, et ça c'est tout ce qu'on ne veut pas. 2 marcheurs du vide, 2 sergents grossiers, une chouette bec de fer pour s'y lancer un taunt ou une carte très ennuyante, 2 jongleurs de couteau, 2 loups alpha redoutables, 2 onérubiens, 2 rampes ententés, 2 sinistres colporteurs qui ici combattent parfaitement avec le Baran Barbe de bronze, les loups alpha redoutables avec les œufs de nérubiens et toute autre carte, mais avec les œufs de nérubiens c'est super bien évidemment. Les chefs du gang de diablotin. Excellente carte, des éruptions de diablotin aussi, toujours aussi excellent pour venir trade une créature, un serviteur en face, les défenseurs d'Argus. Je ne présente plus la carte. Gormok l'Empaleur ici dans cette version, alors il n'est pas obligatoire, moi je le mets parce que franchement, comme on a tendance à vraiment floude le board ici, et bien tout simplement ça peut refaire le taf. Et très très bon aussi avec le Baran Barbe de bronze, ça m'a déjà permis de terminer plusieurs games, ça viendra mettre 8 points de dégâts face sur la tronche de votre adversaire. Un Oreb ici pour tout simplement pouvoir protéger son board, un Dr Boom et les géants des mers. Alors pourquoi les deux géants des mers? Et bien tout simplement quand, comme la méta actuelle est très très agressive, quand votre adversaire joue aussi un deck aggro, et bien tout simplement le fait qu'il floude le board, si vous avez votre géant des mers en main, ça arrive très souvent que vous lui jouiez pour rien du tout, c'est à dire pour 2, 3 points de mana, des fois même 0 ou 1, donc vraiment très très intéressant. Il est très très bon ce deck contre les autres decks aggro. Alors moi j'ai vraiment joué ce deck avec beaucoup d'autres decks démo parce que j'étais en train de monter mon démo en gold cette saison. Je suis arrivé rang 4 avec, ça fait là 2 semaines que je joue plus, on est à la fin de la saison presque. Après je suis redescendu rang 6 en testant d'autres petits decks, mais là on va y repartir en classé et on va tout simplement le tester en ladder comme d'habitude, et vous verrez qu'il est très 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 efficace. C'est un deck que je vous conseille si vous avez envie de monter dans le ladder, même pour la prochaine saison, puisque de toute façon il sera toujours viable et toujours aussi agressif. C'est parti. Alors évidemment, il y a des match-ups plus tendus. Hein. C'est sûr que quand vous tombez contre du anti-aggro, je pense au prêtre spécialement, ça peut devenir compliqué s'il a toutes les cartes pour gérer votre board. Alors ici, l'œuf de Nérubien, c'est pas mal du tout. Jongleur de couteau, on peut garder. On va enlever le Bran Barbe de bronze ici, qui est vraiment pas ce qu'on cherche dès le départ. Ouf, déjà, un géant des mers, c'est très très lourd. Bon voilà, en espérant de toute façon, on aura certainement de la pioche qui nous sert à quelque chose. Alors ici on est très certainement tombé contre un match tempo, peut-être un match freeze, il faudra aussi voir le Bran qui revient. On va commencer par l'œuf de Nérubien ici, ça c'est clair. Et on va saluer notre ami. Bienvenue. Alors la petite piécette de la part de notre ami, qu'est-ce que ça joue directement? Une apprentie sorcière. Ok, donc c'est très clairement, là j'ai l'info, je sais que c'est un match tempo. Mage Atisflamme, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le match tempo, c'est tout simplement le mage Atisflamme. Alors cette saison il y a eu la version avec la déflagration des arcanes, quand ils font une bonne sortie c'est assez violent. Alors que va lui donner le portail? Ouais ça c'est pas trop trop mal, on peut faire ça comme ça et venir protéger tout simplement notre jongleur de couteau. Commence à avoir un petit board assez sympa. Alors évidemment le jongleur de couteau il va pas faire long feu, il va essayer très certainement de le trade le plus rapidement possible. Mais ça, ce qui nous mettrait bien ici au prochain tour serait un petit défenseur d'Argus, pourquoi pas, ou un petit loup alpha redoutable, ça serait pas mal. Alors l'Atisflamme qui est sorti. Alors ici il a certainement un sort à 1, voilà, obligatoirement. Et là si ça tape 2 fois, oui super, ça c'est très très bien. Ouais, potentiellement je pourrais mettre le Bran. Alors là je me suis... Un ami qui me parle, je vais me mettre en occupé, je lui répondrai après. Alors. Alors le deuxième Atisflamme directement dans sa main. Un canon lance-flamme, ça va sur la 1-3. Ça c'est pas trop mal pour moi. Ok. Alors ici ce qu'il me faudrait c'est une carte... Ouais. Si je joue ça, évidemment, ça me convient pas vraiment, puisque derrière, je peux pas... Alors, on va tout simplement silence l'Atisflamme.
C'est une très très bonne carte, de toute façon, à silence. Il n'y en a plus dans son deck. Derrière, on a un géant des mers. Bon, ici, il va certainement faire le trade sur la 2-1. Peut-être ping, ça dépend de ce qu'il a en main. Il est déjà un peu essoufflé. On a un Dr. Boom pour le tour 7, c'est très bien. Alors ça, évidemment, il veut pas laisser. Il va ping dessus. Ouais. Compréhensible aussi. Et le druide du croc. Ouf, heureusement qu'il n'y a pas de bête. Ok. Alors, on va d'abord aller piocher. Ouais, voilà, voilà qui est mieux. Alors, quelle est la carte la plus dérangeante ici? Ben, la 4-4, tout simplement. Ah, dommage, ça n'a pas du tout fait le taf. J'aurais préféré qu'il rajoute un ou deux diablotins. Ça aurait été beaucoup plus sympathique pour faire des trades ici. Alors, il décide de trade le board. Alors, tour 7, on a un tour 7 évidemment monstrueux. On va jouer sans se poser de questions le Dr. Boom ici. Voilà, ici vous voyez le coup de notre géant des mers. Bon, évidemment, ça va pas rester comme ça parce qu'ici il va pas laisser tout ça sur le board. Non, ça m'étonnerait qu'il joue le choc de flamme. Mais on sait jamais. Il y a certaines personnes qui font des petits decks, bien sûr, un peu personnalisés. Alors, l'explomage gobelin, ça aussi c'est très très étonnant. Ok, ça c'est pas mal, ça va lui faire perdre un point de mana. Et ici il va très certainement me ping, ouais voilà. Mm-hmm. Ok, ouais, pourquoi pas, on pourrait se servir de la... Ouais, on va venir jouer. Ah, j'espère qu'il met les 4 aussi, voilà, là c'est très 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 bien. Là il me coûte 5, on va jouer ça aussi. On va essayer de flouter le board. Alors la puissance accablante, évidemment, quand on peut, on la prend immédiatement. On va pas jouer directement le loup alpha. Alors là, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il puisse gérer tout le board. On pourra jouer notre géant des mers derrière. Et ça peut être très très intéressant. Soif de vengeance. Ok. Alors là, potentiellement, on va peut-être pouvoir jouer même notre géant des mers pour 0. Oui, ça va être même le cas. Vous achetez. Ouais, le voile de mort pour piocher une carte. Non, on va prendre le gnome mécanique. Vous achetez ou vous mourrez. Suis prêt. Là, de toute façon... Voilà, c'est pas grave, il nous coûtera que quand même que 1. Alors, on n'est pas létal, ça c'est sûr. Donc, on va simplement ici venir trade tranquillement. Alors, ici, on va faire ça. Simplement pour avoir le repop. Ici, avant de sacrifier les autres créas. On va faire ça. On va même se permettre de piocher. J'ai même pas envie de le faire piocher, mais... Voilà, et là on a un board plutôt solide, en plus on pioche le Horeb qu'on va jouer au premier prochain tour. Là, il est over dans la merde, autant le dire très clairement. Même en cas de choc de flamme, ce qui m'étonnerait. Voilà, durateur éthérien. Derrière, on va jouer un Horeb de toute façon qui va complètement le bloquer. Ah, la Nova Jive, ouais, ça c'est moins cool tout de suite. Ça lui donne un sursis à notre ami. Alors ici, on se pose pas de questions. L'autre géant des mers... Le Horeb. Voilà, là on sait qu'il peut pas gérer tout notre board et on est de toute façon létal au prochain tour. Alors le Horeb, c'est vraiment la meilleure manière de le jouer dans, avec ce deck. C'est tout simplement quand vous avez le board rempli de serviteurs. Et bien sûr là on l'empêche complètement. Voilà, il peut même pas me finir même s'il a les deux boules de feu en main. Donc ça le met vraiment dans la merde. En plus il a été face. Donc on est parfaitement létal. Ok, bien joué. Bien joué. Voilà, alors là ça a bugué. Normalement je pense qu'on est repassé en 6 full étoile. Et on va en relancer une petite deuxième les amis, histoire de repasser rang 5. Malheureusement j'ai pas le temps de tryhard hein. Chaque fois que j'arrive dans le rang 5, rang 4, ça met énormément de temps. Puisque comme vous le savez, à partir de ce moment là il n'y a plus de série de victoires. Et je n'ai absolument pas le temps de passer légende malheureusement. Sinon ça serait avec plaisir. Alors on est tombé sur un match-up voleur.
Alors ici, c'est peut-être un voleur, commissaire, priseur. Il y en a pas mal ces derniers temps. On verra bien. Alors ici, on a une très très bonne sortie de départ. Le loup alpha ici qui pourra... On va juste enlever la puissance accablante qui nous sert vraiment de burst pour terminer notre adversaire. Plus l'œuf de Nérubien. Alors là, on a vraiment une très très bonne sortie. On a une très très bonne sortie dans la mesure où on va jouer d'abord la rampe entantée. L'œuf de Nérubien, c'est vraiment le genre de départ qu'on veut, ça. Puisque tout simplement, ça nous permet avec le loup alpha redoutable de venir, de venir tout simplement booster l'œuf de Nérubien et potentiellement de faire un trade. La maîtrise des dagues. Alors ici, pas la peine d'accélérer comme un fou. Autant poser l'œuf de Nérubien tout de suite. À vos ordres. Alors, le prophète du cercle terrestre. Et ça, ça me donne déjà envie de... Eh bien, tout simplement de jouer le loup alpha redoutable. Ce qui nous permettrait tout simplement de venir clean à 3-3, d'avoir une K4 sur le board. On va déjà commencer par ça. À vos ordres. Et ici, on pourrait même pousser le vice un peu plus loin. J'hésite à jouer ma pièce. Histoire de mettre encore un peu plus de présence sur le board. Non, je préfère la garder au tour prochain. Pourquoi? Parce que tout simplement, au tour prochain, je joue ma pièce et je peux faire Bran, le sinistre et piocher deux cartes avec le sinistre. Donc on va pas être trop gourmand. On va lui laisser gérer ça. Je suppose qu'il y a de fortes chances si là qu'on se prenne une éviscération ou une attaque sournoise. On va voir comment il gère tout ça. Voilà, avec l'agent du V6-7. Alors, le poison qui vient gérer la 2-2. Voilà, ça lui a coûté pas mal de cartes. Alors. On pourrait jouer le Bran ici avec le Sinistre Colporteur. Ou alors jouer un chef du gomme du Diablotin. Et les rampes ententées qui vont être aussi assez chiantes. Et c'est ce qu'on va faire, parce que j'ai pas trop envie de lui donner le Bran gratos. On va faire ça comme ça. Et on va voir comment il a joué. Alors j'espère évidemment, ça va être super important dans le match-up, qu'il pioche pas son sprint trop rapidement. Alors, une autre attaque sournoise, ça fait un... Oh, alors là, il y a moyen qu'on se mange un déluge s'il fait ça, s'il trade la 1-2 derrière. Alors, un Chris, non, il veut piocher de la carte. Ok. Agent du 6-7 qui vient terminer. Ok, ok, voilà, là, il se fatigue énormément. Il a vraiment envie de gérer tout mon board. Ok. Est-ce que je garderai pas le Bran pour un autre combo, par exemple, avec le Gormok ou un truc du genre? Parce que je sais qu'il va se faire trade immédiatement. Alors on va d'abord piocher, c'est pas grave si on le joue pas avec le Bran directement. Alors ici la puissance accablante évidemment, qui pour moi est toujours le choix optimal. D'ailleurs on va le prendre. Ici on va faire comme ça. Il y a toujours plus de board. Merci bien. Alors, le pilleur des tombes. Ok. 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 Ouais, Reb ici qui me semble un choix même pas discutable. De toute façon, là, on protège même pas notre board, mais on n'a pas d'autre choix. On va pas jouer un Bran tout seul en allant piocher, ce serait ridicule. Il va se faire trade ici par le pire de tombe. Enfin, quoi que j'aurais pu le trade avec ça, mais ça m'intéresse pas vraiment. Ok, il passe son tour, décidément. Assez étonnant ce qu'il nous fait. Alors ici on a évidemment le tour 7 parfait, on va pas se gêner. Mon avis il attend pour comboter avec son commissaire priseur, quelque chose me dit où il attend son déluge de lame, je sais pas trop quelle est son intention. Voilà, c'était le commissaire priseur, je m'en doutais, la façon dont il joue. Il veut piocher un maximum et évidemment ça, ça va être très très ennuyant pour moi parce que c'est une carte que je ne peux absolument pas laisser
sur le board. Ce que je pourrais faire à la limite, c'est jouer une puissance accablante. Alors on est à combien? On va compter 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, plus... 13 plus les 8... ouais, on est létal largement, puisque si je fais ça... Ah non, ça va pas le faire, puisque j'ai pas de place pour mettre le truc en fait. Faire ça comme ça. J'aurais pu jouer le Bran avec le sergent grossier, mais ça va passer comme ça en fait, il n'y a même pas besoin. Et puis de toute façon, la bombe aurait pu le clean. On va mettre le petit bien joué, toujours bien compter l'étal, et on lui a mis un sacré burst de 24 points dans la gueule, les amis. Autant dire qu'il l'a senti passer, croyez-moi. Et voilà, on retourne rang 5 tranquillement. Donc évidemment, il n'y a pas de série de victoires. Ça aurait pu être une série de victoires. Vous pouvez faire une série de victoires à la limite quand vous êtes 6 full étoiles. Et alors arriver avec 5, 2 étoiles, ça s'est arrivé. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de série de victoires. J'espère que le deck vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, à le partager avec d'autres amis estoniens, à me laisser un petit like bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, parce qu'il y aura encore du contenu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve très très bientôt, parce que j'ai été pas mal occupé, mais en même temps, j'ai testé plein d'autres petits jeux que je vous présenterai, comme XCOM 2 et pas mal d'autres petits jeux. Donc je vous dis à très très bientôt et bonne continuation. Salut à tous les amis et ciao ciao.